Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist. Aujourd'hui nous arrivons au troisième niveau de sur 4 pour cette mission numéro 16. J'ai commencé à repérer un peu les lieux et la méthodologie. Eh bien ça va être sympathique. On va donc commencer doucement, mais sûrement. J'étais en train de me dire... Non, je sais plus ce que j'étais en train de me dire, les enfants. J'étais en train de me dire... Ouais, je veux aussi. Mais en fait, j'ai pas de truc. Déjà, pour les lasers, ça commence bien. Mais je crois qu'elle, elle les passe. Je suis pas sûre. Hein. Et même si elle les passe... On n'a rien pour les caméras. Bon, bah ça commence très bien, en fait. J'avais pas vu ce détail. J'ai un truc là. Ah, mais non, c'est ça. Excusez-moi, les enfants. Tu vas pouvoir aller là. Ça, c'est le départ. Oui. Et elle va aller chercher le truc là. Bon, j'ai pas le truc contre les caméras. Donc, voilà. Non, c'est ici. Moi, j'ai pas. Mais elle va pouvoir aller chercher. Ouais. Et il y a des sous. Bon, en fait, j'ai repéré sans repérer, quoi, les enfants. Vous avez vu? Je crois que quand elle sort, en plus, ça va être... Mais non, mais elle sort là! Je suis bête. Excusez-moi, il faut que je réfléchisse. Bien fait. Non, parce que lui, il sait pas les défaire non plus, hein. Il a pas tous les skills non plus, là, hein. Non, hein. Je suis déjà dans la merde, les enfants. C'est super. Ouais, bah en fait, même si tu viens là, ça va pas nous servir beaucoup. En fait, si. Si. Si, ça va nous servir. Ok, tu vas dropper. Excusez-moi, hein, parce qu'il faut que je... Voilà. Ça, tu t'en débarrasses. Et j'avais dit, toi, tu te débarrasses du pouet. Voilà. Donc, tu peux aller là. Et toi, tu vas là. Voilà. Déjà, ça, c'est une chose. Tu vas aller, du coup, dans cette pièce. Puisque j'avais pour projet... Elle est en train de voyager. Elle va venir... Elle va sortir. Oh, tu peux y aller? Ah oui, faut que je mette ça. Hop, vous allez voir comme je suis souple. Le projet, en fait, c'était... d'enfermer le mec dans cette pièce-là. Vu que j'ai rien... Il y a rien à y faire, en vrai. Le souci, c'est que... Voilà, la barrière laser... Ah mais non ! Porte de sécurité. Bon, reviens. Je vais y arriver, hein, c'est pas grave, hein. Quand tu veux. Ouais, vas-y. On va y arriver. On va y arriver. J'ai droppé la clé, mais c'est pas ce qu'il fallait. Tu vas redropper. On s'en fout, tu peux dropper la fourche. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Oh la vache, mais qu'est-ce que je fabrique? Oh là là, mais punaise, mais c'est pas possible d'être aussi con aujourd'hui. Qu'est-ce que je fous? Tu vas dropper ça, et tu vas attraper ça. Oui, bah... Vas-y, on va encore se taper un aller-retour, je suis désolée. Allez, go! On n'est pas en train de perdre du temps, un petit peu, quand même. Ok. Là, c'est bon. Tu peux retourner. Je suis désolée pour ce contretemps. Et tu vois, elle est là. Bon. Et maintenant? Tu peux descendre, vas-y. Ok. Ça, c'est une chose, déjà. Donc, je mets sur pause. Ensuite,
Malheureusement. Va falloir passer ça. Non. Je vais y arriver, les enfants. Tu vas ouvrir cette porte-là. Je commence à m'en sortir, là. Tu prends... Ah oui, mais voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Je vais y arriver. Et tu peux venir faire ça avec ta fourche Tesla. Oui, c'est bon. Oh là là, punaise, je croyais que j'allais pas m'en sortir, mais au final, c'est pas trop compliqué. Voilà, et ici, on est libéré. On n'est pas content quand même. Donc, on va faire sortir l'Opco, qui lui va s'occuper de la caméra. Tu peux venir là, toi. Au cas où, hein, mais il n'y a personne qui la verra, mais bon. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Toi, tu vas tenir t'occuper de ça, stop. Là. Et ça va aller tout seul, on va réussir à faire la petite combine. C'est-à-dire qu'il y aura un pouette-pouette. Là, j'ai une fourche Tesla à les récupérer. Tu peux y aller d'ailleurs. Non, pas toi. Oh, je vais... C'est pas possible, je suis... Non ! Mais pourquoi tu te compliques la vie ? Tu viens là ? C'est elle qui a le pouette-pouette de toute façon, donc ça veut dire qu'il faudra qu'elle retourne dans la pièce. Et je vais quelqu'un avec un bloc-porte, genre l'Opco, qui est très bien, l'Opcovitz est très sympathique au demeurant. Il va aller là. Une serrure à crocheter ? Ouais, une bar mitzvah organisée. Oui. Voilà, lui il est là, il sera pas visible. Toi tu reprends ta fourche Tesla. Tu peux venir là. Oui, ou tu peux passer par le mode traditionnel et mettre... Je pourrais en mettre... Faut pas que je passe... Ouais, faut que je fasse attention parce que... Faudrait pas que je n'en tire plus. Tu... Ouais, alors, on va procéder. Tu vas peut-être le poser là, mais tu vas venir avant, en fait. Je vais être sûr. Soit le seul à être attiré. Non, lui il va être attiré aussi. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Tu viens déjà jusque là. Excusez-moi pour toute la confusion. Mais t'as pas ouvert la porte toi? Oh, c'est pas grave, on le fera après. C'est pas un souci. On va attendre qu'il revienne. Pour pouvoir. Là. Ouais, parce que là, vous voyez, il est en dehors, donc il faut que qu'il soit dans l'objectif. Sinon, c'est pas rigolo. Là, par exemple, je peux. Ouais. Et tu vas aller prendre là, du coup. Attention. Normalement, voilà, il va tout de suite écraser le truc. On y est. Toi, tu bloques la porte. Et normalement, le voie est libre. Je vais quand même les mettre là. Tu peux redescendre, toi, du coup. Juste par sécurité, pour voir qu'il peut pas sortir. Parce que des fois, hein, qu'il y a une porte cachée. Je ne pense pas, Coco. Alors, maintenant que la voie est libre, voilà, tu peux sortir. Je pense pas, c'est une pièce faite exprès pour t'enfermer. Oula. C'est quoi le topo ? Le topo, vous venez tous là. Vous allez voir comme je suis souple. Voilà. Toi, tu vas faire ça. Oui, alors, il a pas dû prendre en compte. Ça y est, c'est bon.
Toi, tu vas ouvrir ça. Ici, c'est un terminal de caméra. Loco, tu peux y aller, tranquille. Voilà, on a notre ici à choper, donc on est tranquille. Lui, il est enfermé ad vitam aeternam. Il commence à se vénère. Ok, ici c'est bien, on a rien, on a un petit terminal de caméra. Si ça te dit, tu peux t'en occuper aussi. Et toi ? Une serrure à crocheter ? Bar mitzvah à faire. Est-ce que ça fait du bruit normalement ? Parce que là, il y a le mec qui revient juste là, je vais attendre qu'il soit parti. Ce serait dommage de tout gâcher. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? A priori, non. Je veux dire, là, on commence à bien mener le truc. J'ai attendu que lui s'en aille. Vas-y. Comme ça, on braque les trois safes. Ah oui, oui, oui. Tu peux revenir là. On s'énerve, Jean-Kev ! Ah oui, bah, tu peux... Alors, voilà. La voie est ensuite libre. Toi, tu peux déconnecter ça pendant ce temps-là. Il sait tout faire, ce petit Lobkowitz. Là, on récupère des sous. Très, très bien, très, très bien. Ok. Maintenant, il faudra aller ici. Bah, ce sera à toi. Ouais, au travail, ouais. Tu pourras ouvrir ça et ouvrir ça. C'est déjà bien. Il y a personne qui va venir le voir, donc on est bien. Tu vas bien ? Du coup, tout le monde peut venir jusqu'ici. Et maintenant ? Bah maintenant, on est cool, quoi, les enfants. Pour l'instant, on est cool. Lui, il est bloqué, ça c'est cool. Il va ouvrir la porte là. Je devrais pouvoir passer. Oui, mais t'as déjà essayé, t'as pas réussi, hein. Faudra attendre demain matin, mon petit. Voilà. Je suis prêt. Toi, tu pourras faire après le coffre là à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un petit passage ici pour l'extérieur. Ça, c'est. Tu vas le prendre. Voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est ça. Ça peut être très intéressant qu'elle passe à travers là et qu'elle fasse ça. Ouais. Après, il y a... Ah, il y a encore un poêle à récupérer ici. Ok. Après, je pense qu'on est un peu loin et que ça sert pas à grand chose pour l'instant. On va déjà s'occuper de ça. Et après, tu pourras revenir. Lui, il a récupéré les sous. Cette salle, il n'y a plus rien à faire. On attend que elle. J'espère que ça devrait aller. Elle repasse. Ok, tout pour l'instant. Tout baigne. Ensuite, on a cette pièce-là. Parce que là, c'est un peu compliqué d'y accéder, tout ça. Donc, il faut rentrer dans cette pièce. Dans cette pièce, on a un mec qui est assez... qui passe. Lui, il est pas encore... il est pas intéressant, c'est pas très très grave. Puisqu'il bouge pas, il voit rien. Lui... Eh ben lui, c'est un garde d'élite. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse tout dans son dos. Tableau de distrib, terminal et caméra. Ok. Oui. Tu vas venir là. Oui. Et toi aussi. Va falloir qu'on envoie un peu tout le monde en même temps. Chercher l'argent, défaire les caméras et tout. Dès qu'il a le dos tourné. Hein. Mais un tour de garde assez rapide. Ok. Donc. On va dire que toi... Alors, tableau de distrib, ce sera toi. Ça, tu vas faire ça.
quoi le topo? Je vais juste attendre qu'ils sortent. Toi, tu vas aller chercher l'argent. En avant. Et toi, tu vas aller faire ça là. Normalement, on est bien. Ils ont investi le truc, c'est trop facile. On va attendre. C'est quoi ça? Ah, c'est pour la porte. Ah, mais je l'ai ouverte, je vais pas la refermer. On va attendre que l'Opco. Toi, tu vas revenir là. Parce qu'en fait, il y a ici que c'est assez intéressant. Pour passer outre ce mec en fait. Peut-être que lui, ouais, faudrait que tu te planques peut-être derrière ça pour que lui te voit pas quand il va dans l'autre sens, qu'il crochette et qu'il rentre. Ou qu'il crochette rela direct et puis il arrive ici en fait. On va tenter. On va faire donc là. Tu vas venir là. Les autres, je vais les faire ressortir, en fait. J'avoue. Tout va bien ? Ça va. Pas d'incident pour l'instant. Pour l'instant ! Bon, ils sont tous là. On a tout déconnecté, tout ça, maintenant. Au travail. Je dois le gérer, lui. J'espère qu'il va pas se faire voir. Déjà. Non, mais je vais attendre qu'elle. Trop rapide! Trop rapide! Tu m'ouvres ça. Ensuite, tu m'ouvres ça. Et tu viendras là. Est-ce que ça va être just in time? Ça devrait le faire. Ouais. Pas sûr là. Oh là 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 là. Il le voit juste pas, mais il va s'avancer. Ah, mais ça me saoule. Oui, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Allez, je me laisse attraper et j'irai sur le côté. Non. Je vais me prendre ça. Mais je croyais qu'il allait venir là, le gars. Pas compris. Alors ici, ah, il faut aller choper les trucs là, d'accord. Bon, sinon, on peut pas redéconnecter la barrière laser ici, donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans son dos à lui et qu'on refasse le même truc. Une fois à l'intérieur, ok. Tu vas ressortir là. Normalement, tu devrais avoir zéro soucis. Le gars, il devrait pas te voir. Il s'en va en plus. T'aurais largement pu le temps de te faire rentrer. Bon, je vais faire eux. Technicos, pareil. Salut. Salut. Ça, c'est pour aller. Ah, attendez. Ah, j'arrive pas! Ah, c'est pour aller là! Oui! Bof, ça va, on va y arriver déjà, c'est quand même assez bien, je vous le dis. Tac, et tac. C'est parti! Tac, et tac. Ça va barder! Tac, et tac.
Ils sont juste à côté de lui, mais eux, ils les voient pas. Bon, nous, on va... Oh bah pourquoi? Ah bah c'est bien alors, oh. Bah je comprends pas, hein. Je t'ai dit de retourner là parce qu'après on va se faire griller par tes conneries. Normalement. Allez, go. Bien reçu. Vous allez voir comme je suis souple. Go. Feu vert. Ça, c'est bon, ça. Lui, il est là. Après, il va... ok, il a un tour de garde très spécial, ce garçon. Ah, mais oui, attendez. Je suis prêt. Est-ce que tu peux rentrer là, du coup, et aller là? Ce serait une bonne planque pour tout le monde. Ouais. Toi, tu vas venir là. Ouais, ouais. Toi, tu vas venir là. Et toi, tu vas venir là. Oh, les douches! Oh, il y a un bloc porte. C'est très bien, ça. Ok, ça, c'est bon. Donc, bah, vas-y. Vas-y. Et vas-y. Ok! C'est bon, on est dans les toilettes, douche et tout le tralala. Ok, un bloc fort de dispo. Tout va bien ? Tu vas aller le chercher. Oui. Toi, tu vas aller chercher la monnaie. Et y a rien d'autre. Y a rien d'autre. C'est une bonne planque, ceci dit. On est content. D'ailleurs, le bloc porte, est-ce que lui, ce serait intéressant de l'enfermer quelque part? Là, on a un aimant. On a un coffre, donc pas dans cette salle-là. Est-ce que dans cette salle-là, on a ça? Un terminal de caméra. Ceci dit, une fois qu'on a géré le terminal de caméra, on pourrait l'enfermer dedans. Ce serait pas mal. Parce qu'il va que dans deux pièces. Déjà, pour arriver là, il va falloir qu'on déconnecte pas mal de choses. Ah, d'accord, le tableau de distribution est juste ici. Faut que j'arrive à calculer combien de temps il met avant de revenir là, en fait, parce que sinon... Voilà, c'est juste un petit peu compliqué, il faut qu'on arrive à rentrer dans cette pièce. Donc, on va se regrouper c'est parti. Devant la porte. Je veux. Voilà. Je pense qu'il y a le temps, hein, mais là, je pense qu'il va revenir. Donc en fait, c'est dès qu'il tourne le dos, je pourrais tout faire. Vous voyez, il y avait juste un petit truc ici pour pas se faire choper. Ok. Donc, tu vas bien ? Toi, ouais, tu vas aller là. En avant. Toi, tu vas aller là. C'est quoi ici ? C'est un interrupteur à bascule seulement. Ah, tu vas venir là. C'est quoi le topo ? Et toi aussi. Tu vas aller là-bas directement pour ouvrir la porte. Au travail. Toi, tu vas. Salut. Hop. Hop. Je devrais pouvoir passer. Lopco. Ouais. Ouais, ouais. Tu vas déconnecter ça. Attends, c'est connecté à quoi? Attendez, ça. Ah, on l'a activé. Bah écoute, tu... Ouais, alors, si tu pouvais le désactiver et après venir là, du coup, ce serait méga cool. Ici, on a une clé. Putain, mais les inventaires sont pleins. Les inventaires sont pleins. Tu vas aller t'occuper de ça. Je les mets loin de la porte parce que, hein, vu le nombre de fois où ça m'arrive... Qu'ils voient dans les interstices, là et compagnie, ça va. Hein. Je suis déjà assez dégoûtée comme ça. On merde! On a le code. Hey, c'est là très bien. Bon. On doit monter sur le pont et. Il y a tout le monde qui se fait voir. Bon, bah, c'est la cata. Ouais, c'est la cata. C'est pas grave, on va recommencer. Je vais voir où il m'a save. Et je ferai le déconnectage du truc après. Ouais, c'est quand j'ai vu qu'il allait se retourner, je me suis dit,
Ah mais non, en fait, ça va pas le faire. C'est pas grave. Ça arrive même au meilleur de se tromper. Sur ce jeu, hein, faut pas être susceptible, vu le nombre de fails à effectuer. Bah, tu vas aller là, alors, du coup, hein, tranquillement. On attendra. Ah, il faut que je remette les infos. Ouais, comme ça, il s'en va. Tu vas pouvoir le faire. Non. T'as pas bien pris en compte. T'as pas bien pris en compte. Voilà, c'est ça que je vais te faire faire. Et puis tu reviens. Le petit ramage. C'est là que ça devient chaud. Oui. On doit monter sur le pont et à bord du sous-marin. Ouais, il arrive déjà. C'est chaud. Ah non! Je me suis encore fait eu. Bon bah ils vont encore se faire cueillir à 4 ans. Voilà, Grolard, on est content. Oh là là, il sait plus, regardez. Il sait plus lequel prendre en premier. Oh le bug. Allez. Voilà. Ça faisait pas partie du plan. Non, parce que sinon ça aurait pu durer 10 ans. Voilà. Bon, alors, je vais vraiment attendre qu'il retourne son... le dos pour pouvoir refaire déconnecter la truc hein, parce que... c'est là que ça devient chaud. Ah ça y est, on les a le pont et à bord du sous-marin. Ah oui ça... mais de son c'est chaud depuis au moins une heure hein. Tu vas rentrer du coup, on va pas voir le time. On va mettre tous les quatre là. Donc notre seul objectif après c'est ça. Continuer de faire ce qu'on peut, déconnecter tout ça, rentrer dans les pièces, récupérer ce qu'il faut. Mais il y a tellement de trucs. Petit tableau de distribution. Des terminales de caméra. L'objectif, c'est d'aller ici. Hein. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait tout ça. Il va rester tout ça. Voilà. C'est une bonne partie, quand même, j'ai envie de dire. Je vais juste, au moins... déconnecter ce truc avant de terminer aujourd'hui. Parce que sinon. Voilà. Tac. Oui. Voilà. Donc dès qu'il retourne bien fait. Le dos, tu vas pouvoir faire ça. Normalement. C'est bon. Ça m'a save là où c'est cool. Après, va falloir qu'on rentre dans cette pièce parce qu'il y a un coffre et un petit aimant. Ici, il y a un terminal de caméra. Ou aller plus loin si on veut. On peut aller directement ici. Mais là, il y a la caméra qui va nous choper direct. Quasiment. Mais moi, je les connais, hein, les cocos. Voilà, ils vont rentrer dans la lumière, donc... Volo, volo. Bon. J'ai quand même envie de me débarrasser de ce mec. Là, ce sera à toi d'ouvrir les portes. Parce qu'après, il va se retourner. Donc... On pourra pas se planquer. Je suis pas sûre qu'il ait le temps. Ouais non, il va pas. Ah les enfants, on ne bouge plus. Vous voulez passer? Moi je vais pas voir. Ah oui, bah oui. Ah, fais tes prières. Allez, fais tes prières. Ouais, je sais. Écoute, on essaye toujours des trucs, hein, Bishop, hein, histoire de voir si ça met un plus ou moins. Et puis voilà. Là, c'était raté en l'occurrence. Bon, eh bien écoutez, dans ce cas-là, moi, je vais save ici. On va rester là-dessus et ce sera la suite pour la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce petit épisode de Crooks vous aura plu. Voilà, bon, il y a eu quelques fails comme d'habitude, mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien avancé et j'ai quand même géré la plupart des obstacles.
Et lui, un peu plus compliqué, mais un peu plus complexe. Il va falloir que je réfléchisse à savoir comment faire et dans quel ordre. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé ce petit épisode. Je vous fais très gros bisous. À la semaine prochaine pour la suite de Crooks ou d'autres choses. Allez, salut.